Ciao a tutti et bentornati nel mio canale. Oggi parliamo delle doppie consonanti. Aujourd'hui on va parler des doubles consonnes en italien. Les doubles consonnes doivent être prononcées avec plus de force que les simples consonnes. Parce qu'il peut y avoir confusion si cette règle n'est pas respectée, surtout parce qu'il existe des mots qui ont des sens différents selon qu'ils sont écrits avec une simple consonne ou avec une double consonne. Euh, J'ai préparé une petite liste des mots qu'on un beaucoup en italien et qu'il faut apprendre par cœur. Il faut faire attention à la prononciation. Par exemple, la casa, la casa, la maison, la cassa, la cassa, la caisse, il capello, il capello, les cheveux, il capello cappello w w il cappello les chapeaux. la pala la pala la pelle la palla la palla les ballons la sete la sete la soif 7 7 la chiffre sept il tono, il tono, le ton. Il tono, il tono, le poisson, le ton. Sono, le verbe à être, à la première personne, je suis. Et Sono, sonno, le sommeil. Maintenant, je vous montre d'autres mots qui ont de doubles consonnes et qui doivent être prononcés avec plus de force qu'les simples consonnes parce que autrement ils n'ont pas de sens par exemple il latte il latte le lait la notte la notte la nuit il sacco il sacco le sac la mamma, la mamma, maman, l alunno, l alunno, l la l'élève. Guitarra, la lune, guitarra, la guitare, la guitare, la guitare, la Cravatta la cravate, la cravate, il palazzo, il palazzo, le pelet. L'abenimento, l'événement. Pour terminer, je vous laisse un exercice où il faut choisir le mot qui convient. Comme ça, vous pouvez vous entraîner avec le double consonne. Et vous trouvez les solutions juste en bas de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin. Et si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Merci à tous et ciao, à la prochaine